Salut les astros. Alors aujourd'hui il fait soleil, grand soleil, et j'avais envie de vous partager une petite astuce pour ceux qui n'ont pas de chercheur solaire ou viseur solaire sur leur instrument. En fait, sachez que votre instrument, votre lunette ou votre télescope, c'est un CSTI, donc un chercheur solaire de taille inhabituelle, tout simplement. On va voir comment utiliser ça très rapidement. Alors, la première chose à faire, bien sûr, quand on veut observer le soleil, c'est de placer un filtre solaire à l'ouverture du télescope. Donc ici, un filtre maison, un filtre fabriqué donc avec une feuille Bader densité 5 que l'on va installer à l'ouverture du télescope ou de la lunette. Voilà, ici il s'adapte parfaitement, hein. Il y a aussi une petite chose peut-être à faire avant d'installer son filtre solaire que je n'ai pas fait et que je fais toujours, c'est de vérifier que le filtre n'est pas percé. Pour cela, vous le placez devant le soleil, vous regardez à travers pour voir si effectivement vous ne voyez pas un petit point brillant. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est bon. De toute façon, si vous prenez soin de votre filtre, il est virtuellement immortel. Voilà. Alors, voyons voir comment maintenant faire pour chercher notre soleil. Alors bien entendu, vous avez mis votre monture en station, hein, en station équatoriale, si vous avez une monture équatoriale, si vous avez une monture azimutale, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de réglage à faire. Alors, sachez que vous pouvez viser le soleil très facilement, tout simplement, ici, avec votre renvoi coudé ou votre porte-oculaire, hein, si vous avez un Newton, vous ne mettez pas d'oculaire, tout simplement. Vous ne mettez pas d'oculaire, vous utilisez simplement la fonction miroir. Voilà, là ici vous avez le soleil dans le porte-oculaire. Je vais bloquer. Voilà, donc là je suis devant le porte-oculaire, donc vous voyez le disque solaire dans le porte-oculaire. Donc là, j'ai plus qu'à placer, eh bien, un oculaire pour observer tranquillement notre astre du jour. Voilà. Donc simplement, votre lunette est un chercheur solaire géant. Voilà, j'espère que ce quickie astro vous aura séduit. Vous avez un chercheur solaire de taille inhabituelle avec votre lunette. Voilà, le soleil est à votre disposition. Voilà, si vous avez aimé ce petit tuto rapide, eh bien, mettez un pouce et puis abonnez-vous. Partagez également cette astuce sur tous les réseaux sociaux destinés à l'observation astronomique. Je vous dis à très bientôt. Salut les astros!